Certains d'entre vous se posent peut-être la question, comment préparer sa première caméra cachée? Eh bien figurez-vous que cette vidéo est faite pour vous. J'ai décidé aujourd'hui de vous aider pour voir comment préparer sa première caméra cachée, son prank. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que moi-même j'ai préparé ma caméra cachée, elle est en cours. La vidéo sera mise en ligne le 31 octobre, le jour d'Halloween, figurez-vous. J'en dis pas plus, vous verrez bien. Commençons sur la première astuce pour préparer sa première caméra cachée. Cette vidéo est faite pour vous. Et ouais. Astuce numéro 1. Tout d'abord, réfléchissez à un thème de vidéo qui concernera votre caméra cachée. Mais si vous n'arrivez pas à trouver des thèmes de vidéo, reprenez des vidéos sans faire de plagiat en la créant à votre façon. Posez-vous la question, qu'est-ce que je vais faire comme caméra cachée? Est-ce que ce sera une vidéo pour faire peur aux gens? Est-ce que ce sera une vidéo pour faire rire les gens? Est-ce que ce sera une vidéo pour énerver les gens? C'est vous qui décidez, choisissez, mettez-vous d'accord. Astuce 2. Une fois le thème choisi, contactez vos amis ou mettez une annonce sur vos réseaux afin de recevoir une réponse d'un volontaire. Choisissez plusieurs personnes. Et oui, on sait jamais si quelqu'un ne peut pas au dernier moment, bah voilà, vous pouvez contacter autre personne. Et surtout, il faut quand même plusieurs personnes au niveau de la sécurité parce que c'est super important. Dans ma vidéo expérience sociale, moi j'avais pris des gens pour ma sécurité si jamais il y avait un problème ou quoi. J'avais pris des gens, donc prenez des gens pour la sécurité du tournage. C'est obligatoire. Astuce 3. La tenue. Eh oui, la tenue c'est super important. Oui, prenons le thème de vidéo que j'ai choisi. Bon, je vais pas tout vous spoiler, mais vous en faites pas. Je vais vous dire pourquoi je vous parle de la tenue. Pour ma caméra cachée, j'ai pris le thème horreur. Voilà, je me suis fixé sur un thème, j'ai pris le thème horreur le jour d'Halloween, voilà. Allez sur un site de vente et tapez le type de déguisement que vous voulez. Par exemple, vous voulez le déguisement de Scream, prenez et commandez-le. Voilà, donc vous avez votre tenue, ce qui est parfait. Ce qui est parfait. Voilà, donc là vous êtes déjà bien. Astuce 4, le lieu. Choisissez le lieu où vous allez tourner votre propre vidéo. Pareil, posez-vous la même question. Est-ce que vous voulez un endroit qui fait peur? Là où il n'y a personne, un endroit désert total? Si c'est cela, je vais vous donner des petits lieux à faire. Allez dans un parking, les gens ne s'attendront pas à vous voir. Alors évidemment, si c'est un thème horreur, tournez la nuit plutôt pas la journée parce que les gens s'attendront moins à vous voir la nuit que le jour. Prenez par exemple un parking souterrain ou encore une station d'essence ou prenez des petites ruelles comme ça. Ça fait bien peur. Astuce 5, écrivez le scénario. Super important aussi, écrivez toutes vos vidéos. Sinon, ce sera de l'improvisation. Regardez-moi, j'ai écrit ma vidéo. Voilà, tout est là. Faut savoir ce qu'on va dire à l'avance et tout. Quand je dis écrivez un scénario, c'est par exemple, est-ce qu'il y aura un cadavre au sol pour pouvoir enchaîner sur la suite de la vidéo? Est-ce que vous arrivez à deux au moment pour faire peur à la personne? Réfléchissez à la technique, comment vous allez pranker la personne. Si vous ne le faites pas au moment du tournage, vous allez devoir improvisionner. Et ça va vous mettre en difficulté pour le tournage. Tandis que si vous écrivez votre propre scénario, vous allez savoir ce que vous allez dire, quoi faire. Vous allez expliquer à vos amis ce qu'ils devront faire et eux-mêmes seront à l'aise devant la caméra pour bien tourner et pas faire de l'improvisation tout simplement. Et comme le spectateur verra que ça a été bien préparé, il va avoir un bon aperçu sur la vidéo et va lâcher un gros pouce bleu. Astuce 6. Avant de tourner la vidéo, fixez une date avec vos amis, vos collègues, tout ce que vous voulez pour pouvoir parler ensemble du tournage. Quand je dis repérage, c'est repérage des lieux, dans quel lieu vous allez tourner, je le redis, c'est super important. Choisissez les lieux, voyez-vous tous ensemble pour faire la mise au point. Et une fois que les choses sont claires avec tous les amis, allez manger un bon gros tacos pour bien se péter le bide. Astuce 7. Vous recevez maintenant votre déguisement. Et bah, essayez-le. Ouais, c'est pas ça mon déguisement, hein, mais je l'ai pas encore reçu. Du coup, essayez-le quand même. Astuce 8. Une fois que tout est bon, que le concept de vidéo que vous avez choisi, que le scénario a été écrit, que vous avez recherché des figurants pour tourner la vidéo, que vous avez choisi les lieux, fixez la date du tournage. Voilà, on y est. Maintenant, c'est le tournage qui compte. Fixez la date du tournage avant la mise en ligne sur votre chaîne YouTube. Si vous voulez la sortir au moment d'Halloween, sortez-la au moment d'Halloween si vous voulez. Mais par contre, tournez-la pas le soir d'Halloween, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière? Et bah il y a le montage. Si vous voulez la tourner le soir d'Halloween et que vous voulez la sortir le soir d'Halloween, c'est pas possible, parce que vous allez mettre beaucoup trop de temps sur le montage, et si vous voulez vous dépêcher pour la mettre en ligne, la vidéo ne sera pas de bonne qualité, et l'aperçu des spectateurs sera négatif. Donc mettez-vous en avance, tournez-la une ou deux semaines en avance, ça ce sera parfait. Comme ça vous allez pouvoir prendre votre temps sur le montage, et à la mise en ligne de votre vidéo, le spectateur, cette fois-ci, sera satisfait. Voilà, ces 8 petites astuces, j'espère qu'elles vous serviront, hein. Je pense qu'elles vont vous servir parce que c'est tout ce qu'on doit faire. Écrivez toujours vos vidéos, tout. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et moi, j'espère vous avoir aidé pour vos futures vidéos. Moi, je vous fais de gros bisous, à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, si vous... Posez-moi des questions, je suis ouvert à tous. Voilà, merci d'avoir regardé, gros bisous, à très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, moi je vous fais de gros bisous, à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.